Voilà, re-YouTube, comme ça, tu peux à nouveau apprécier mes talents de dresseur de chocobo. On n'a pas mis 100 000 ans pour attraper cette bestiole, qui va pourrir dans les écuries jusqu'à la fin du jeu. C'est vrai, Cad. Écoute, c'est un risque que je suis prêt à prendre ce soir, dès à présent. On abandonne ce job, à jamais. Bref, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les gens du groupe? Est-ce que le chocobo apprend des trucs? Non, il apprend rien. Razma. On a 411 queer. Est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre des trucs? Parce qu'on a Rush, on a Salve. Salve, c'est bien. Salve, il faut que je prenne d'ailleurs. C'est le truc qui permet de soigner les états anormaux. Oui, ça guérit Blind, Silence, Poison. Ça, c'est ça peut être utile. Counter Tackle, on l'a. Beastmast, ça fait Add an ability to all monsters in Ebrington. Ça donne un truc au chocobo. Defend. Defend oneself against an attack. Add the defend command. Ouais. On a déjà JP boost, quoi. Y a rien de... Je pense qu'on va pouvoir embrasser une nouvelle carrière avec Ramza. Je sais pas du tout, Chemist. Je sais pas du tout. Je suis loin d'être un expert FFT, donc... j'avance à tâtons. Je tâtonne. D'ailleurs, il est temps de prendre une décision. Discutable, certes. Mais si on veut qu'un jour, Ramza devienne un ninja... Il va falloir devenir archer. Putain, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Ouais, on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein. Donc nous sommes désormais un archer. Voilà, les archers dans ce jeu, voilà, hein, mais bon, ils sont braves, quoi. Excusez-moi, c'est l'émotion. On va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer d'en faire quelque chose. Actuellement, nous sommes archers. Ouais. Jackie le Time Mage. Alors, mon Time Mage, j'y crois beaucoup, hein, par contre. Un mage qui manipule le temps. 500 points. 500 points. Mana Shield. Alors ça, à haut niveau, ça peut être craqué. Hein. Critical Quick. Ça, c'est très bien aussi. Ça peut être très intéressant. Time Edge, ça a l'air d'être incroyable. Vraiment. Téléport. Levitate. Sur le papier, je suis ultra saucé par Time Mage. Meilleure classe. Bonne nuit, Nice, repose-toi bien. Merci d'être passé. Ça, pareil, hein. Stop, je pense que ça peut vraiment être vénère. Après, c'est 14 de MP, quoi.
14 MP, c'est beaucoup. Ça, on peut déjà négocier. Ça l'empêche de bouger. FFTA ou FFTA 2. Alors on est sur FFT tout court. FFT PlayStation into portage PSP. Et si tu me demandes de choisir entre les deux, j'ai fait le premier, mais j'ai pas fait le deuxième. J'ai pas d'avis sur le deuxième. Ah, t'arrives pas à te décider. Oh, bah je vais te dire le premier parce que j'ai pas fait le deuxième. Ensuite il y a Float. Reflex peut être bien si on affronte des mages chiants. Reflex, je pense que c'est un bon bail. C'est un bail safe. Un truc qu'on utilisera beaucoup. Gravité, c'est bien aussi, mais ça coûte ultra cher en mana. Je pense qu'on va prendre Reflect. Reflect, c'est cool. Et je vais économiser pour l'instant. Je vais économiser et je vais repasser Black Mage. Pour apprendre des sorts de Black Mage. Black Mage, faudrait vraiment, vraiment qu'on apprenne nos Fira et tout le bordel là. Ça a commencé à se voir qu'on fait des dégâts de mouche. Ok, faut qu'on remette la magie temporelle. Là, on a rien. Ah, on a rien non plus. Hein. Faut pas qu'on prenne ça un jour. Mais très bien, pour l'instant, c'est pas le plus urgent. Bon, toi c'est bon, tu es géré. Ensuite on a Paige, qu'on a passé Squire. Parce que on voulait lui apprendre plein de trucs. Non. Abilities, oui. Donc, triste Squire. On voulait lui apprendre Focus avant tout. En fait, lui récupérer Focus, Counter Tackle et Move plus 1. Premier Focus, c'est plus important. Counter Tackle, on peut. Ouais, c'est. Manquera pas grand chose pour l'apprendre. Je suis pas très avancé dans le scénario. Bah non, parce que je me fais casser le cul. Je me fais détruire sur toutes les maps, donc je farme beaucoup et je perds beaucoup de temps. Et je suis pas pressé, heureusement, ça va. Et ensuite, on a notre White Mage slash Mystico Artist. Qui on devait mettre Move plus 1 aussi, ouais, ça je me souviens, mais ça elle l'apprendra toute seule au bout d'un moment. Orateur, connaissez-vous Orapistong? Equip Guns. Ah, c'est une classe qui met des guns normalement, Hearplug. On dit qu'on touchait plus jamais à ça. Hésitation, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui putain, mais ça avait l'air trop bien. Ça avait l'air vachement cool. Ok. Faut que je reparte sur White Mage à mon avis, parce que falloir que j'apprenne des trucs genre Cura et tout le bordel. On va repasser Mage Blanc avec elle. Poulou, poulou, poulou. Hop, Mage Blanc. Abilities. Assign.
Et c'est Mystic Arts, Paris JP Boost et que dalle pour l'instant. On est bien, et la voleuse on s'en fout parce qu'on ne pourra pas la jouer puisqu'on peut jouer que 4 persos dans cette map de mort. Sauvegardons et allons voir si on peut s'en sortir désormais sur la map nulle. On va se taper de random battle avant, j'imagine. Mauvaise langue que je suis. Alors. Hop. Hop, hop, hop. Les deux sont là au début. Et ensuite. Hop. Et hop. Tout à l'heure, on a failli avoir cette map. Pas tout à fait la même compo. Faut voir si. Les mecs, ça fait la quatrième fois qu'ils nous voient arriver ici. Ils savent que le mec à droite, il va lire Roy Jenkins dans le tas. Du coup, ils sont prêts, ils l'attendent maintenant. Tu sais, genre, ils ont mis une... C'est limite s'ils ont pas mis une petite corde pour que le mec il trébuche quand il passe la porte. Ils savent quoi. Voilà, allez, bisous, hein. Amuse-toi bien. Oh, mais ça, j'en doute pas qu'il y a des classes cool. Hein. Time Match, c'est vraiment une de mes classes préférées, donc elle va. Va faire partie de mes. De mes kits. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Bravo, champion. Non mais c'est, enfin, c'est sa méthode, j'imagine. Ah putain, c'est vrai que je suis archer. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me suis mis là? C'est l'habitude. Putain, au secours. J'ai complètement oublié que j'étais archer parce que j'ai pas du tout un skin d'archer. Ramza change pas de skin. Contrairement aux autres personnages. Je regrette cette décision. Ah oui, oublie pas. Le truc que je viens de faire. Cette décision incroyable qui est de foutre mon archer au corps à corps. Oui. J'ai qu'à pas me moquer de mon camarade de bataille. Tout cela ne serait pas arrivé. Cette flèche dans le cadavre du mec. C'est bon, il est mort. Aim plus 2. Mais je peux tirer sur personne. Non, non, mais y a pas de souci. Hein. Moi, je respecte tout le monde, tous les styles.
me dis que si je fais un feu là, il y a Delita qui va foncer dedans. Complètement. C'est complètement ce qui va se passer. Donc je ne peux rien faire. À part attendre. Bon, il a frappé le moine, c'est cool. Ensuite, il y a des chevaliers qui vont commencer à arriver pour lui faire des petits dégâts. L'avantage, c'est que Delita, je vais pouvoir essayer de le raise à la limite. S'il arrive à tanker un peu pour moi, c'est pas forcément... Non, il peut... Ouais, ça... Du coup, s'il arrive à tenir ce hit, c'est cool. Alors, les mecs vont faire le tour. Eux, faut pas que je m'en occupe. Faut vraiment que je reste dans mon coin et que je gère ceux qui sont à l'entrée de la maison. Là, il va crever. Ah là 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 là. C'est compliqué hein. Alors le moine je pense que je le déglingue. Je le tue pas mais je le mets très bas. Alors je reste Delita par contre. Ce qui va être j'ai envie de dire une perte de mana. Un peu. Après je vais avoir mes sorts de drain aussi. Plus 34 HP. Ouais bon. 56%. Putain 56%. Ça peut tellement pas passer en vrai. C'est très bas comme taux, 56%. Eh putain, ma vie c'est de la merde. Ah là 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 là. Là je suis dégoûté. J'ai envie de hurler toutes les injustices du monde, mais... Personne n'a le temps pour ça, donc... Mais comment ça 0%? Pourquoi 0%? Je suis en face du mec. Pourquoi 0%? Mais elle est affreuse cette classe hein. Je suis en face du gars, j'ai de la hauteur. Pourquoi 0%? Je comprends pas. Eh ben très bien. Eh ben écoute. Très bonne classe. Très très bonne classe. L'archer. Hein. On reviendra. C'est sûr que c'est offensif, aim. Ah oui. Je suis équipé d'un arc au moins, oui. Affirmatif, j'ai un arc. Mais c'est pas un truc de support, non, aim c'est un truc que tu fais des... Enfin, tu fais des dégâts quoi. Aim c'est du support. Comment ça c'est du support? Je veux les ennemis faire des aim depuis tout à l'heure, ils me cassent la gueule avec. Non mais là ça passe hein. Ouais je sais que vous aimez beaucoup FFT et moi aussi mais avouez que le jeu est juste chiant là. Je suis vraiment rassuré d'être dans le tuto. Ouais.
Une boule de ki de moine, ça fait plus mal qu'un pavé ramassé par terre. L'ennemi devait avoir un passif pour parer les flèches. Mais pourquoi ça marche là, alors que c'est le même ennemi? Putain, je l'ai décalé. Bon, c'est génial. Résistation, ça coûte 10, ultra cher. Bon, lui il a 1 milliard d'MP là. Si je le draine, c'est 8 MP. D'accord. Ouais, c'est vachement bien. Ah oui, la mana ça fond. Donc le feu qui va pas toucher. Ah si, le feu va toucher. Ça c'est bien. Ça c'est positif. Ça on aime. Il reste 4 mecs à gérer. Ouais, Jacqueline qui s'est pris une flèche. Bon, ma flèche qui sert à rien du coup. Ah, mais la cure va lui partir dessus aussi. Positif. Tout cela est positif. Bon, là il y a les deux chevaliers relous à gérer. Là il y a un archer et un moine. Alors le moine il va me casser la gueule. Est-ce que je peux lui faire des dégâts un peu avant qu'il arrive? 18. C'est pas terrible. Et je crois que je peux pas faire vraiment mieux en même temps. Oui, je peux pas pouvoir faire vraiment mieux donc. On va entamer ce moine. Hein. Ça passe. Qu'est-ce que je fais avec toi, par contre? J'ai l'impression que si je vais là, ça ouvre la porte à tout le monde et mon mage blanc va se faire rouler dessus. Aura Blast. Ça passe. Bon, bah, très bien. Je pensais que le mur allait faire chier, mais pas du tout. Petit mage noir. Black Magic. Fire. Non, pas du tout, puisque je n'ai pas la range. C'est Ramza qui a la bonne place. Si je bouge ici, est-ce que ça passe? Est-ce que je peux viser cette case ou pas? Yes! Ça ferait des gros dégâts! 100%. Bien évidemment. Ça ne doit pas se passer comme prévu. Combien de mana ça a un moine? Est-ce que je peux le drainer? 14 de mana. Oh putain, je vais vivre que 5. Techniquement, je gagne 3. Et encore, faut que le sort réussisse. Là, j'ai besoin que ça réussisse, donc s'il te plaît. Attends, quoique. Ah, oh, trop tard, c'est lancé. Oh, tant pis.
Ah non, parce qu'il va se faire, il va se faire dégommer par le feu. J'aurais dû check avant, c'est ma faute. Et lui. Bon, il reste deux chevaliers. Ça passe. Paige, elle est dans la merde absolue. Je pense que je vais juste lui faire faire des Hadoken. Et l'idéal, ce serait que je puisse balancer un petit soin là. Voilà, là maintenant. Petit sort de soin. Allez, j'y crois à mort. Alors non, il y a Kenar et Paul. Alors Kenar et Paul, qui sont ces gens? C'est vous. C'est forcément vous. Ce que je voulais faire. Kenar. Kenar, c'est l'archer. Et Paul. Paul, c'est le mec derrière. Mais le mec là, il bouge pas par contre lui. Donc je peux lui foutre un sort de feu dans la gueule. Parfait. We have a plan. Bon, il va me venir dessus, mais c'est pas grave, je peux tanker un hit. J'ai 60 PV. Lui, il faut qu'il décède absolument. Sacré connard, ce mec. Ah, ça. Pourrait être le nom d'un futur chocobo, ça aussi. Hein. 24 PV, c'est pas beaucoup, mais tant pis. On va faire avec. Est-ce qu'il va me re-aim la gueule? Juste me tirer dessus, d'accord. Il décide de partir à l'autre bout du monde. Donc, toi, tu vas foncer sur le mage noir, c'est sûr. Yes. 25. Ok. Sort de feu. Toi tu meurs. Ah, Veltraza, bonsoir. Tu arrives en plein moment de l'angoisse absolue. Merci beaucoup pour le resub. Oui, map compliquée que j'ai fait un paquet de fois. On peut tenter de passer avec un miracle. Putain, j'ai plus de mana. C'est la merde, frère. J'ai plus de mana. Je peux tenter de bait un truc. Je peux tenter de me mettre de dos. Leaving a treasure chest. Alors. Dans l'idée. Fire. Sur toi. Attends. Ah non, voilà, il y a les deux bouges avant. Il y a Paige, il y a Kenar et il y a Paul. Dans tous les cas, je vais m'en prendre une. Alors que ouais, je peux pas balancer de... En vrai, le meilleur move, c'est lui foutre un coup de crosse dans le dos. Quoi. C'est triste, hein, mais c'est le meilleur move. Hein.
Parce que là, du coup, les deux vont pouvoir bouger. Non, attends, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, mais si je bouge là-bas... Oh putain, c'est compliqué. L'autre, il va faire quoi, là? Il va faire un aim de l'espace. Et il vise Ramza. Et il tape mon mage noir, allez. Ok. Alors en vrai, je vais pouvoir looter des trucs sur les cadavres. Le meilleur truc qui pourrait sortir là du cadavre, ce serait un cristal. Mais... Taras, quoi. Ce jeu quoi, putain oui un cristal, nice. Ah non mais le mage blanc il est vénère, hein. Il en peut plus. Hein. Je sais plus. Genre est-ce que moi aussi je peux faire ça là, ou non c'est que c'est réservé qu'aux mecs qui trichent ça. Régène sur le mage, j'ai envie de le mettre sur la mage blanche. Pour qu'elle me heal en fait. Acquire abilities, restore am- Ah putain, c'est tendu. Est-ce que je chope des skills? Est-ce que je récupère des HP ou des MP? Abilities, je sais pas si c'est fort ou pas en fait. Je sais pas ce que ça peut donner. Ah en vrai, je prends des MP, je me fous. Je veux finir cette map à la con. Putain, il m'a filé Z. Ah non, oui, j'étais fou, c'est normal. Allez, ça passe. Cette fois-ci, c'est bon. Dalila ! Vie. D'accord, Cloud. Merci beaucoup. Je comprenais pas trop. Coucou Sanjuri. Ah, les petites fringues séantes en cuir. Long sword. Ouais, tu mets un coup de chien, on en parle plus là.
Égypte. Oh, quelle map des enfers. Pour toi, public. Bi 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 bi. Ah mais oui, Graf. Et Gustave. Bisous. Bonne nuit, Osornes, repose-toi bien. Ah, mon équipe de bras cassés. On a vraiment les pires mecs du royaume qui essaient de sauver un mec important. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait. En tout cas, we did it. Nous avançons doucement, mais sûrement, dans le petit monde d'FFT. Mais même si le jeu me casse la gueule, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup et c'est le plus important. Le jeu est cool et vraiment, j'avais très envie de le finir. Je l'avais laissé en suspens à l'époque et là, je suis vraiment, vraiment motivé pour le plier une bonne fois pour toutes. Parce que je pense vraiment que le jeu va être stylé, quoi. Il y a vraiment moyen qu'on se fasse plaisir. Ah, ils l'ont fait! Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Bien sûr! Bien sûr, bien sûr! Quelle heure il est? Putain, il est 2h du mat. On va s'arrêter là pour ce soir. J'ai pas prévu de live aussi longtemps, mais c'est cool. Je l'ai pas senti passer. Et bah merci à vous en tout cas de m'avoir accompagné après toutes ces péripéties, ces aventures. Qu'est-ce qu'on peut raid? Qui est-ce qui est en stream à cette heure-là? Je vais regarder un petit peu. Pas grand monde. J'aimerais bien run un truc, enfin j'aimerais bien raid un truc qui a pas été raid 100 milliards de fois. Tch, 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 tch.
Bonne nuit, Tanda, repose-toi bien, reposez-vous bien tous. J'ai l'impression qu'il n'y a personne que je vais pouvoir être ce soir. Vraiment pas grand monde. En même temps, vu l'heure, ça ne m'étonne pas. Eh bien, écoutez, je vais simplement vous souhaiter une bonne nuit, vous remercier une fois de plus de m'avoir accompagné. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain qui sera mon dernier stream de la semaine du coup, puisque je suis pas là ce week-end, je suis d'anniversaire et je rentrerai dimanche soir je pense, donc peut-être un stream dimanche soir avant le stream de demain. Voilà, reposez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt, des bisous.